Vidéo aujourd'hui, c'est comment pour écrire, sinon pour parler à quel que soit le monde qui ne peut pas parler même langue avec vous sur WhatsApp. Cette vidéo, ça nous montre comment capable faire aujourd'hui pour ne pas parler, pour pas parler une langue et puis l'autre monde n'a pas une autre langue différente. Nous montre comment capable discuter avec lui sur WhatsApp sans qu'il y ait problème correctement. Ok, nous avons reçu un message à tout, nous avons un monde qui a contacté nous tout. Donc voilà les messages, j'ai un message avec lui pour nous tout comme ça. Donc il y a des gens qui t'a contacté avec nous, qui demandent nos vidéos, tutoriels pour ça. Ok? Moi, je vais parler à qui un monde qui est l'autre bord, mais non pas parler même langue. Moi, je vais connaître si là possible pour faire un téléphone là. Traduit parole par mieux ni pas mieux. Ok, j'ai des ça mon n'a parlé dans commenter ces vidéos ça mon n'était pas parlé. Mais c'est pour moi ça. Nous une fait vidéo ça et je vous dis bien peut-être tout la petite plaisir l'autre monde qui a nécessité comme ça tout pour pas ta vidéo. Ok, pour faire ça on fait nous aller sous Play Store avec pour nous télécharger deux petites applications pour faire comment on fait ça rapidement. Ok, OK, nous aller sous Play Store dans l'autre télécharger l'application ça avec vous. Sur le Play Store, cliquez ma liste. Soit avec écrit Google Gigo. Et bah, c'est pas comme ça que vous faites. Google Gboard. Ok, c'est comme ça. Ok, et pour faire lancer cette petite application, ça va faire lancer cette petite note, ça va tout monter là. Et puis là, il y a la console, il y a télécharger qui monte et qu'on a cliqué sur le pour faire ouvrir. Ok, là, il y a là, on a cliqué dans la première dans des options qui dit préférence, on va cliquer sur lui. On va activer la première option qui dit ligne des fiches, on va cliquer sur lui. On va activer l'option ça. Après, on va descendre puis bas là. Sur l'activer l'option qui dit afficher touche, sélection une emoji. Si vous voulez activer emoji, on va activer le tout, ça va dépendre de où. On va descendre puis bas. On va activer ça côté qui dit affiche. La touche de sélection de la langue. On va activer toute langue lunette. Ok, on va descendre plus bas. On va vous activer l'option ça tout qui descend à chaque touche. Ok, chaque touche touchée dans la clavier, il va le cabarouiller en bas même. Ok, sur la tige, on va activer. Ok, on va descendre plus bas. Ok, on va descendre plus bas. Ok. Puis prolonger pour les symboles. Si vous voulez activer ça tout pour symbole, vous avez un symbole dans le clavier. Vous pouvez activer ça tout avec tout symbole dans le clavier. Ok. Descendre plus bas, prolonger une touche à 360 mètres. Ok, ça va là. Ok. Parce que ça qui est plus important, vous là, nos points là correctement. Ok. Quand il y a quelque chose, il faut faire back. On va aller sur WhatsApp, ok? On va aller sur WhatsApp pour voir où est-ce qu'il est configuré bien, ok? Ok, là, on va sur WhatsApp, ça, sur PyMonde, ça, on va cliquer là, on va aller jamais comme ça. Ok, là, on va aller sur ça, là, on va faire comme si on va aller pour nous. On va pas être notre clavier pour là, comme ça. On va pas clavier pour là, pas être comme ça. Well, on peut clavier pour là, là, il va être comme ça. Ok, comme ça, il va être. Ou après, là comme ça partie ça là comme ça après trois petits boutons deux petits boutons ou trois petits boutons par être là comme ça sous pas être trois petits boutons deux petits boutons pas grand on va faire des petits icônes sous pas être deux petits boutons après trois petits boutons par être là. Ok, après trois petits boutons par être là sous pas être trois petits boutons par être là on va pouvoir icône ça par être là comme ça ça va le dire. Ok, on clique même application by une trois petits boutons là même moi cliquer sur icône là. Ok, et puis là cliquer sur icône là on a une barre là. Ok, et puis après là, on va marquer traduction. Il marque traduction là. Ouais, il peut plus partager là. Ok, on va cliquer sur traduction là. Ok, là, on a la libre au côté pour capable écrire quel que soit le monde qui est en langue là. Ok, on va cliquer là. On va cliquer là pour choisir une langue. Ok, et puis on va cliquer sur langue ça. On va capable choisir une langue. Une langue là, c'est la langue où on va parler. Ok, langue où on va parler.
et là on va parler exemple c'est mes créole devant ok et puis deuxième ça là qui est marqué anglais on va cliquer sur là ok maintenant on va choisir langue ouvrière ok mais si c'est anglais langue pas mon ailleurs on peut qui avait l'on capable tout quitter le souris ok mais langue pas langue pour la devant ok ça exemple ça c'est français mais si c'est français on va le parler au même on va cliquer là comme ça. Well, pendant que nous avons comme ça, on va cliquer là pour changer tout, cliquer là comme ça. Well, français à l'devant, créole à l'devant. Il dit, on va le parler en français et puis on a même la compagnie en créole. Exemple, si je parle créole, well, si je parle créole et puis l'autre monde a même dit parler français, je mets créole là devant, je mets français à devant. Ok. Exemple là, on va écrire là, on dit bonjour. Well, on dit bonjour. Bonjour en créole. Well, bonjour. On dit bonjour, comment y est. Well. On dit bonjour en créole, comment y est. Well. Et puis, on clique là, on va y aller. Well. Bonjour, comment allez-vous. Ok, c'est ça qui est écrit là. Mais ça, c'est pour lesquels on va l'écrire maintenant. Ça, c'est l'on va l'écrire maintenant, il y a les langues pas maintenant. Exemple, si on a dit qu'il parle anglais, on clique anglais. Ok, on peut mettre le sous anglais. Ouais, on va anglais là. Ok, on a mal dit. On dit bonjour. Bonjour. Bonjour, comment y est? Well, bonjour, comment y est? Et puis cliquez là, je vais aller. Quand on est en anglais là, ou salut là, il dit good morning, how are you? Ok, il décrit bonjour, comment y est? Il dit good morning, how are you? Ok, c'est ça le bon mot en anglais là. Ok? Qu'on a signé si comme si mon avis n'écrit mon nom. Si mon avis n'écrit, mon avis n'écrit en anglais. Mon avis n'écrit en anglais. Et bien, mon avis n'écrit en anglais. Il dit comment mieux il va me répondre en anglais. Qu'on a là pour me comprendre qui ça mon avis dit là. Qu'on a qui ça m'a fait. Qu'on a là m'a tourné sur Play Store. Comme par mon autre application. Ok. M'a tourné sur Play Store. Là on peut écrire traduction. Ouais. Traduction. L'écrit comme ça. Après ça on fait lancer. Ok, là je vais là comme ça, après ça va être comme ça, c'est avec ça, mon service est le plus bon. Mais il y a beaucoup de plaisir, ok, on va chercher ça, on va cliquer sur lui. Là je vais le faire télécharger. Non rapide, non même, parce que internet non bon, ok. Et puis là je vais le faire télécharger, on va faire ouvrir sur lui. Ok, là on fait ouvrir sur lui et puis il va nous paraître dans la forme ça, comme ça. Là il va nous paraître dans la forme ça, comme ça. Et parce que m'dé que t'en gagne déjà le tour sur page moi OK moi après en l'air alors après trois barres qui pas être en l'air la même moi t'ai t'en metté configurer mettre photo sur les deux barres OK après trois barres pas être en l'air à droite là ou sinon capable dans bas gauche à droite pas devant moi même lui pas logo pas parce que m'dé que sur les déjà m'appliquer sur lui OK l'autre cliquer sur lui là la vienne barre forme dans comme ça la barre forme dans comme ça qu'on a qui soit fois qu'on va là on cliquer sur bouton ça qui dit paramètres OK le bon bouton ça qui dit paramètre là qu'on va qui soit peut cliquer là côté qui dit appuyer pour traduire cliquer sur lui OK là on clique sur appuyer pour traduire on a une bonne touche là on va utiliser appuyer pour traduire on clique sur bouton ça pour activer lui OK et puis qu'on y a là on fait autoriser OK bouton ça déjà activé là correctement OK qu'on a sous tati qui va descendre en bas OK, on descend en bas et puis là il est comme ça afficher icône flottant OK, on va activer bouton ça tout qui dit afficher bouton de flottant OK. On va activer ça. OK. On a le là qu'on a le configurer là. On va cliquer sur gérer le configurer. Configuration. Cliquez sur lui. On a là où on vient dans fenêtre ça. On va chercher dans application là. OK. Là il là où venir là, on a besoin pour cliquer sur lui. Au cas de l'accès, well, autoriser le superposition appli pour cliquer sur lui. Ok, on a là au café back. Ok, tu as fini de configurer là. On a l'application, on va mettre là avec lui là. On va bien mettre mal sur lui encore. On va le tourner sur WhatsApp. Ouais, icône ça a été l'application tout par là. Ok, ça c'est message maintenant et pour là. Ok, et d'où good morning, how are you? Et d'où bonjour, comment vous voyez qui ça a l'air dit? On a cliqué sur message maintenant, vous avez un épisode. Cliquez sur lui sous 2 secondes. Donc, cliquez sur lui sous 2 secondes, on va dans 3 petits points à droite. Ça là, on va appliquer le petit copier.
OK. Pendant que copier qui soit fait qu'on va dans icône ça là. Même quand on va dans icône là ouais. On va besoin faire rien quoi. Depuis qu'il fait copier là même quand on va dans icône là, il tombe d'où ça mon ami a dit. Il dit good morning how you en l'air et bien bal tout traduit. Ça c'est langue qui écrit sous l'IA, il tout traduit, il dit bonjour, comment allez-vous? OK. Bonjour, allez-vous. Si vous voulez tendre des messages là, on en dit, ou vous voulez tendre le micro, quand il est là. Good morning, how are you? Ok, ça c'est ça qu'en anglais. Si vous voulez tendre des français, quand il est là. Bonjour, comment allez-vous? Et puis là, il y a une barre où le conseil à vous. Ok? C'est qu'on soit capable d'écrire au monde, quel que soit le monde, il y a avec qui dans n'importe langue, il y a. C'est qu'on soit capable de faire tout le bagage, normalement, les gens qui vont être là. Ok? Et puis, quand il y a là, là va tourner qui mon avoir écrit moi tourner qui mon avoir cliquer là encore qu'on va écrire mon nom une salle d'où là qu'on y a qu'on applique là appliquer là et vous appliquer là qu'on va écrire mon nom là qu'on y a OK va écrire mon nom là qu'on va faire réponse en anglais OK et merci là nous mettre fin à la vidéo ciao n'a pas donné encore à la prochaine merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager pour ne pas rater la prochaine vidéo Merci. Merci, restez à l'écoute.